d'Artagnan. Mais là, quoi? Je comprends pas ce que vous dites. Oh, merde! Putain, mais partez pas. Hé, oh, hey, oh. Vous êtes malade de crier comme ça? Quoi? Mais pas du tout, non, mais tombez dessus. Allez me chercher un médecin. Bon, ça va, j'y vais. C'est bon. Tu t'ailles. Chris, un homme à terre. Où êtes-vous, sergent? Près d'un arbre. Reçu. Voilà. Piteuse éteur. Qu'est-ce que vous faites à manger? Oh, mais il est con ou quoi? Ça fait des secours. Allô? Service des urgences médicales, bonjour. Donnez-moi votre nom, l'adresse et le motif de votre appel. Commandant Barnes, nous sommes en forêt et un homme est coincé sous un trou. Quelle est la taille du trou? J'aurais dit à peu près comme ça. Vous savez que je ne peux pas le voir. Excusez-moi. Environ 75 cm. Est-ce que c'est un chêne? Oui, j'aurais dit un chêne. Négatif. Il s'agit là d'un frêne. Il n'y a pas de chêne dans cette région. Et puis, le tronc du frêne se différencie du tronc. Waouh, waouh, waouh! On me sauve en discute botanique, là. Ok, on arrive d'ici 1h30. Ils arrivent d'ici 1h30. 1h30? Ils peuvent pas arriver plus tard? Vous ne pouvez pas arriver plus tard? Non, mais... Ok, on arrive d'ici 2h15. Ils arrivent d'ici 2h15. Putain, mais ouais, vous le faites exprès! Les ordres sont les ordres. Vous voulez un ordre? Foutez-moi le camp! Bon, allez là, dépêchez-vous! Oh, c'est pas possible! Ah, mais oh, oh! Calmez-vous! Allez! Oh, pas possible ça! Oh. Vous brûlez! Je vous ai trouvé quelqu'un! Allez là! Oh, mais! Ça va maintenant! Alors! C'est vous le malade? Merci. Faites attention, hein, parce qu'il est désagréable. Oh, c'est vrai ça? Mais arrêtez avec ça. Oh, c'est vrai qu'il a un petit bobo quand même. Hein. Bon, allez, soyons professionnels, s'il vous plaît. Ah oui. Aïe, aïe. Pas beau. Aïe. Oh là là, mais vous êtes douillé, c'est pas possible. Un petit bobo. Mais bah, je me touchez pas là. Arrêtez de toucher. Bon. Eh bien, le diagnostic est sans appel. Vous saignez. Vous croyez? Oui. Regardez. Il y a du sang. Vous êtes excellent, docteur. Oh, vous savez, c'est le métier, ça. Parfois difficile d'ailleurs entre les patients. Mais évidemment que je saigne! Bon. Eh ben, mes David, il va falloir déplacer le tronc. Je vais aller chercher un peu, d'accord? Vous restez ici? Non, mais il faut que je reste avec lui. Je vous entends, hein. Je suis blessé, pas sourd. Ouais, ben moi, je suis parti. Ah. Hop. Voilà. Mais qu'est-ce que vous m'avez amené? Qu'est-ce que vous m'avez amené? Mais c'est Madame Martin, un peu de respect. Attendez, je vais vous écouter. Hmm.
Oui. Oui, je sais ce que vous pensez, ouais. J'ai oublié, ça arrive. La tuile, quoi. Un petit. Doucement. C'est pas grave, docteur. Je sais que vous êtes occupé. Mais c'est de vos fesses dont je m'occupais. Oh, docteur, sortez-moi de ce fauteuil. Non, mais c'est pas possible! Non, ce n'est pas possible. La non-assistance à personne en danger est un délit qui est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Mais oh! Hey! Je suis pas encore mort, hein! Hey!